Congolaises, Congolais, chers compatriotes, peuple congolais, nous venons, suite à l'événement récent symbolique que représente le sommet de la francophonie, dans les relations entre les pays francophones et la France, qui est la mère de la langue française, nous, jeunesse africaine, nous souhaitons donner suite au développement observé à l'occasion au sommet récent de la francophonie qui s'est déroulé au début de ce mois. D'un point de vue rétro-respectif, force est de constater que les mêmes causes créent toujours les conséquences similaires. Comme nous le savons tous, la France est un pays qui a toujours émerveillé au travers de son histoire, qui a donné naissance aux principes fondamentaux tels que la liberté, le respect des droits de l'homme, le concept de la notion démocratique, que la France s'évertue à promouvoir incessamment à travers le monde. S'agissant du concept de la francophonie en soi, et une initiative valorisante de la langue de Molière, qui est l'une des langues les plus utilisées au monde. Cependant, la transposition de cette langue à travers les pays africains est un héritage colonial qui ne peut faire l'objet de réprobation pour appartenance à l'espace francophone. Par ailleurs, nous nous indignons du contraste marquant entre ce que représente la France et ce que devraient représenter les dirigeants français. Car lorsqu'un dirigeant français qui veut promouvoir les principes de liberté fondamentale se rapproche des dictateurs tels que M. Denis Sassou Nguesso, qui fait l'élite africaine comprador, assassin et criminel de tous les temps, dont l'exercice du pouvoir consiste qu'à bafouer toute la liberté fondamentale. Alors, nous, jeunesse africaine, nous nous posons la question suivante. Qu'en reste-t-il des valeurs de la République française lorsque le premier représentant, en l'occurrence son Excellence Emmanuel Macron, lors du sommet de la francophonie, opte pour des rapprochements ambigus en tapotant la cuisse du criminel assassin M. Denis Sassou Nguesso, antagoniste paradoxal au regard de valeurs dont il est tributaire et dépositaire. En définitive, il est regrettable de constater qu'un jeune président français qui a suscité de l'espoir, de l'engouement auprès de la jeunesse africaine, replique les mêmes dysfonctionnements récurrents déjà observés par le passé, alors que la jeunesse africaine continue de subir le processus selon lequel les mêmes causes créent les conséquences similaires et l'on demeure dans la récursivité du colonialisme et du non-colonialisme. Jeunesse africaine, par cette occasion, je vous interpelle de bien vouloir prendre conscience de la situation qui devient insupportable. Vive le MRLC, vive la diaspora, vive le Congo-Brazzaville, vive la jeunesse africaine. Je vous remercie.